Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien et j'espère vraiment que vous allez bien parce que normalement, eh bien cette vidéo, elle devrait vous mettre en joie. Regardez tout ce que j'ai reçu. J'ai dépensé beaucoup, il faut le dire, hein, quand même, parce que rien que la console, elle m'a coûté 550 euros. D'ailleurs, merci beaucoup à l'abonné qui l'avait commandé en double et à qui je l'ai racheté au prix normal. Ça fait d'ailleurs du bien, soit dit en passant. Merci beaucoup à toi, mon cher Thomas. Et puis, bien évidemment, eh bien, j'ai acheté la manette Halo qui allait avec, la manette Xbox 20 pour les 20 ans de la firme. Alors, malheureusement, on ne pourra pas le voir, mais si vous utilisez une lumière bleue dessus, eh bien, on voit en filigrane la manette, la première manette Xbox, donc j'ai trouvé ça assez cool comme petit clin d'œil. La manette Forza Horizon 5 et le dock Forza Horizon 5 qui est là-dedans, que j'ai commandé sur le site de Razer. Bref, installez-vous, on est parti pour une grosse vidéo. Vous êtes fan d'Xbox, vous êtes fan de Halo, vous êtes fan de Forza, je pense que ça va vous faire kiffer. Je vous propose de commencer tout simplement, eh bien, par celle-ci. On va faire d'abord cette manette-là, ensuite le pack Forza Horizon, la manette Elite et la console pour terminer cette vidéo. Je vous mettrai un petit chapitrage si ça vous intéresse. Et on est parti, eh bien, pour faire les choses dans l'ordre. Allez, je mets la console ici. On va commencer par, eh bien, cette petite merveille qui est juste là. Allons-y, bien évidemment, je vous attendais pour l'ouvrir comme d'habitude. C'était très dur parce que je les ai pas toutes reçues le même jour et il a fallu que j'attende un petit peu. Je vous ai d'ailleurs partagé tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, eh bien, la petite merveille de chez Bobox, la manette destinée aux 20 ans de la firme avec le petit vin qui est juste là. Je vous la montre. Elle est quand même magnifique. Regardez-moi ça avec ce grip. Là, on a vraiment... En fait, vous avez un grip, un vrai grip ici. Alors, j'ai mis de la lumière juste à côté pour avoir des beaux petits reflets. Regardez-moi ça. Elle est quand même très très belle. Ce petit effet, soyons francs, hein, ce petit effet un peu manette Pro Switch aussi. Elle ressemble beaucoup à la manette Pro Switch. C'est vrai que, par exemple, celle-ci, qui est un petit peu transparente, vous mettez les deux côte à côte, ça serait presque à s'y méprendre. Un petit peu, quand même. Non, elle est très très belle. Elle est vraiment magnifique. J'ai beaucoup de manettes Xbox. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo récapitulative parce que j'en ai énormément. J'ai une énorme collection de manettes Xbox. Regardez-moi ça. Allez. On la remet là-dedans. Hop là, pas besoin de faire plus sur celle-ci. On la met de côté. Et donc, comme je vous ai dit, alors cette manette-là, c'était 59 euros sur le store de Xbox, le Microsoft Store. Celle-ci, c'était pareil, je crois 59 ou 64 euros que je l'ai acheté. Et le dock coûte le prix de la manette, ou 69 euros peut-être. Et le dock, c'était le prix de la manette, 59 euros sur le site de Razer. Alors moi, je vous propose de commencer par le dock de recharge qui est vendu avec la batterie. Puisqu'en fait, à ce prix-là, vous n'avez pas que le dock de recharge, vous avez également la batterie. Regardez-moi le charging stand de chez Razer, qui est là. C'est Razer qui a fait un partenariat avec Xbox pour sortir le petit dock. Vous voyez? Et il est vendu, bien sûr, avec la batterie qui ira dans la manette. On la mettra également dans la manette. Donc, voilà le petit dock. On va l'ouvrir. Je ne sais pas du tout s'il en reste sur le... Attends, je vais peut-être même pas faire ça. Je ne sais pas du tout s'il en reste sur le store de Razer. Je crois que c'est parti comme des petits pains. De toute façon, connectez-vous sur le store de Razer, hein, c'est sur le store français, razer.fr ou razer.com, et après vous redirigez vers les pages, on va faire ça comme ça, vous êtes redirigé de toute façon vers la page France pour le marketplace, et vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir vous le procurer si jamais vous avez vraiment envie de le voir. Il y a aussi la même chose que celui-ci, vous voyez que celui-ci là, il y a exactement le même pour la manette Xbox 20, mais comme j'avais déjà beaucoup dépensé pour tout ça, je l'ai pas pris le Xbox 20, j'ai pris que le Forza que je trouvais absolument magnifique. Alors, le dock qui doit être là, ça doit être le câble. Ici, on a la coque, une deuxième coque, et bien évidemment, la petite batterie. Il n'y a rien d'autre, il y a encore un truc dessous, non? Peut-être pas. Non, ça doit être juste un socle. Ok, je mets ça sur le côté. Donc ça, c'est la batterie qui ira à l'intérieur de la manette. Normalement, regardez, là voilà. Ça c'est la batterie qui vient justement dans la manette, qu'on mettra juste après, on va la mettre sur le côté. On a les deux petites coques qui elles viennent derrière la manette, hein. Vous savez, c'est ce qu'il y a derrière pour protéger le socle de pile. Donc là on va pas les ouvrir parce qu'on a déjà le nôtre derrière la manette. On a le câble de recharge, bien évidemment, et il est assez lourd, c'est chouette.
le petit socle, le fameux, le mythique, le collector, j'ai envie de dire même. Regardez-moi ça. Oh, il est beau quand même. Il est très beau. Ouais, il est quand même magnifique. Bien évidemment, tu poses la manette là-dessus, clac, petit connecteur, et ça recharge avec le câble qui viendra derrière, avec les patins antidérapants dessous. Alors, il faut vraiment forcer pour y aller. Hein. Ok, alors, passons à la bébête, bien évidemment. La manette de Forza. Hop, on va ouvrir comme ça dessous aussi. Paf. Et alors, petite surprise, normalement, au mois de décembre, j'en aurai une à vous offrir également dans le calendrier de l'Avent. Oh, regardez-moi ça. Oh, ah ouais. Oh, elle est super. Oh, il y a des beaux grips derrière. C'est pareil. Oh, alors là, c'est grip complet. Oh, le grip, il est hyper agréable. Là, ça tient de bien. Ça tient bien. Tiens, le H de Forza. Le H de Horizon, pardon, derrière. Attends, est-ce qu'on le voit avec la lumière? Ah, c'est parce qu'en fait, il est brillant. On le voit un petit peu. Vous le voyez un petit peu? C'est parce qu'il est brillant. Le H. Oh, elle est incroyable en prise en main. Elle est somptueuse. Bon, la lumière est un petit peu blanche. Est-ce que je ne pourrais pas peut-être... Là, comme ça, on verra un petit peu mieux. On verra un tout petit peu mieux quand même. Ouais. Elle est magnifique. Et donc, derrière, je vous disais, on fait ça. Alors, plus, moins, donc, on le met comme ça. Paf ! Ok, nickel. Et bien évidemment, on referme. Comme ceci, normalement. Ah, c'est peut-être pas le même, du coup. C'est peut-être pas le même, histoire de le laisser... Ouais, c'est pas le même, ok. C'est pas le même. Ok. C'est celui-là pour que ça puisse passer, parce qu'en fait, il y a le... Regardez. Ok. Voilà. Comme ça, pour justement le mettre... Ah, ce que je pensais que ça allait être là, mais non. Et après, vous le posez dessus. Et voilà, la petite manette Forza qui est magnifique. Elle est vraiment très belle. Je pense que je vais utiliser dorénavant, comme ça je la pose, elle recharge. Ça va être beaucoup plus simple pour les streams, parce que vous savez qu'on stream tout le temps. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, je mets ça de côté, et on passe, eh bien, au clou du spectacle. Enfin, au clou du spectacle. D'abord, la manette Halo Infinite, qui est là. Et ensuite, le clou du spectacle, la Xbox Halo Infinite, derrière. Allez, on y va, je décale un petit peu la caméra. Comme ceci. Allez, c'est parti. Celle-ci, elle était un peu plus chère que les autres, bien évidemment, parce que déjà, c'est une élite. Donc, on était. Je sais même plus combien je l'ai payée. Elle est super lourde. Je ne sais même plus combien je l'ai payée, celle-ci, mais je l'ai vraiment payée assez cher. Mais je sais que c'est un truc hyper collector et que moi, je suis un fan de ça. Donc, bah, bien évidemment. Allez, on est parti. Ah, bah oui, c'est vrai que ça s'ouvre différemment, celui-là. C'est vrai. Ok. Regardez-moi ça. Évidemment, ça recharge dans sa boîte. On le reprécise encore une fois. Ce genre de manette peut recharger directement dans sa boîte. Ça fait guise de socle, si vous voulez. Vous allez le voir très vite. Alors attendez. On regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Oh, regardez-moi ça. Le câble, évidemment, qui est ici. Parce que le câble aussi est bien foutu, normalement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce câble tressé. Ambiance Halo aussi. Ok. Attendez. Là, oh là là, regarde ça. Regarde le fond de la boîte. Ils ont vraiment fait les choses en grand. Hein. Ah ouais. Pouah. Attends, je mets ça, je garde le câble avec moi, encore une fois. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Je crois que c'était comme ça, c'était debout. C'est peut-être debout, je sais plus. Je sais pas du tout. Ça devait être comme ça et ça devait être debout, je pense. Ouais, comme ça. Ok, très bien. Allez, on y va, vous êtes prêts? Je la découvre pour la première fois, moi aussi. Pff. Oh la vache.
C'est une merveille. C'est un bijou. Regardez-moi ces petits effets de verre là. En fait, je pensais utiliser la Forza, mais je suis pas sûr finalement. Oh là là. Alors évidemment, hein, vous savez, sur ces manettes, vous pouvez tout interchanger comme ça. Là, vous avez le chargeur. En fait, ici, là, c'est l'emplacement du chargeur, vous voyez? Vous la mettez dessus et elle va recharger avec le petit câble branché derrière. Et là, regardez. Regardez ça. Regardez ça. Ça, je l'ai vu sur Twitter avant même. Regardez ça. Quel kiff. C'est un bonheur. Elle est incroyable. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Et il y en a encore une à l'intérieur. Il y en a encore une dans l'autre. C'est qu'on va l'ouvrir tout de suite. Il y a encore une manette. Et la manette, elle est dans le. Elle est dans le. Comment ça s'appelle? Elle est dans le pack. Dans le pack avec la console. Alors attendez, je vais ranger les choses parce que j'aime bien quand c'est clean et quand c'est rangé. De toute façon, je pense qu'honnêtement, la manette Elite, c'est celle que je vais utiliser dorénavant. Ça me manquait d'ailleurs sur Halo Infinite, je le disais, sur le multijoueur. Vous avez d'ailleurs la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne pour le multijoueur. Ça me manquait de ne pas avoir un bouton de saut autre que simplement le bouton qu'on a actuellement avec le bouton, c'est le bouton A si je dis pas de bêtises, parce que pour tirer et pour sauter en même temps, moi c'est une galère, donc je voulais ma petite gâchette dessous, et bah là avec cette manette Elite, j'aurai ma petite gâchette sur le dessous. Allez, vous savez quoi? Évidemment, le clou du spectacle, c'est quoi? Le clou du spectacle, c'est elle, évidemment, cette merveille, cette petite dinguerie qui est ici. La manette, la Xbox, Halo Infinite, la Xbox Series X. Regardez-moi ça, rien que la boîte, déjà. Rien que la boîte, elle est somptueuse. Regardez-moi ça. Allez, on procède à l'unboxing. On est parti de façon chirurgicale. Sur le dessus, il y en a en dessous ou pas? On va vérifier, mais je crois qu'il y en a encore un ici. Ah, elle a été abîmée un petit peu dans le transport, c'est dommage. C'est dommage. Ça vient directement en plus de... Ça vient du Microsoft Store en plus, hein. Directement, puisqu'elle était dans le carton. Allez, hop. Waouh. Le dessous est encore plus beau. Oh, regardez-moi ça. C'est une merveille. Même la boîte est somptueuse. Regarde ça. C'est une petite dinguerie. C'est désolé, je suis en train de faire un tournage. Oh là là. Alors attendez, on y va. On va ouvrir ici. Façon chirurgicale. Ici aussi. On va suivre de toute façon ce qu'ils nous disent hein, en termes d'ouverture. Ici également. Et là. Et bien évidemment, elle s'ouvre délicatement de cette façon-là. Est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce que vous êtes prêts? Attention! Je crois que c'est comme ça. Oh là là! Oh là là! Le jour de gloire est arrivé! Oh la vache. C'est que l'emballage en plus. C'est que l'emballage. C'est que l'emballage. Je suis en train de me hyper sur l'emballage, putain. Je suis en train de me hyper sur l'emballage. Attendez, il faut que je prenne des photos. Il faut que je prenne des photos en même temps, c'est pas possible. Comment je fais pour prendre des photos en même temps avec cet appareil? Attendez, bougez pas.
Ah, je suis obligé. Excusez-moi, hein, mais... Alors attendez. Je la mets sur le côté délicatement. On a bien évidemment la manette qui est là-dedans. Digital Direct, ça doit être... doit y avoir le code, je pense, de Halo dedans, puisque normalement, normalement, si je dis pas de bêtises, le jeu est avec. Attendez, je mets ça comme ça. Je sais même pas comment je le mets, parce que... C'est quoi ? Regardez, ce qu'on va faire. C'est que je vais mettre ça à l'intérieur, comme ça, ici. Là, je vais refermer. Je sais pas. J'essaye d'avoir de la place sur le bureau. Ouais, ça me paraît bien. Bon. Allez, on commence par la manette. Qui est là. Évidemment, tous les câblages qui sont là, mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la fameuse manette. Mais c'est une dinguerie. J'ai ma manette de... Regardez, j'ai l'autre manette ici, là, de... Que j'adore aussi, parce qu'elle est toujours comme moi, c'est celle avec laquelle je joue habituellement, la Gears. Mais ces manettes sont absolument magnifiques. Elles sont somptueuses. Il y en a une autre avec laquelle je joue en ce moment aussi. C'est celle-ci, aussi sur l'autre. Ça, c'est la Scarlett Nexus. Mais regardez-moi ça. Oui, j'ai des manettes partout. Regardez-moi ça. C'est une merveille. Je la mets sur le côté. On dézoome un petit peu. Comme ça. Allez, on procède à l'ouverture. Délicate. C'est presque religieux, ce genre d'ouverture, hein, quand même. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est la plus belle Xbox que j'ai. C'est clairement la plus belle Xbox. Genre, j'en ai des Xbox, hein. J'en ai. Mais alors, celle-ci. Oh la vache. Elle est impressionnante. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait en termes de beauté de console. Regardez-moi cet intérieur. Elle est juste somptueuse. Il y a juste tellement rien à dire. Ça, c'est en doré, ça aussi. Franchement, très honnêtement, c'est vraiment, mais genre,
vraiment la plus belle Xbox. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme je le dis souvent. En fait, je l'avais rangé dans la boîte de la console. Donc, oui, logique. Regardez-moi ce bel ensemble. Et franchement, juste, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, tellement heureux de cet investissement. C'est une merveille. C'est... Regardez-moi ça. J'adore. Je suis fan. Je vais être franc avec vous, je suis vraiment fan. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que très honnêtement, j'ai passé un moment juste incroyable à unboxer tout ça personnellement. Et encore une fois, j'ai kiffé. J'ai passé un tellement bon moment. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de contenu qui arrive sur la chaîne d'ici peu. Je vous fais des gigantesques bisous. Prenez soin de vous, sortez couverts. C'était EMB. Salut, salut.